Bon, initiative mom rafet na trop mom waaw so gisé fi gaay ñi ngi ni so len xolé ñi ngi défar affaire yi waaw jesus pour ñi nga xamé waaw dañuy défar ndog bi mom moy lool té dir production suñu marque là c'est une marque d'un grand frère qui s'appelle Tamba Savané en ce moment là mu ngi en France fi actuellement ké dug man ma kay représenter quoi té dama ñëw fi man sama ben copain Ibou Ndour. Assalamu alaikum. En fait, man Ibrahim Ndour la tudu. Ki sama copain lo quoi, alcali. Mom momo fi indi pour ñu ñew assister ci ndogu bi quoi. Wa ndogu Kédougou production bi. Au nom de notre grand frère Tamba Savané. J'espère que vous le connaissez. Tamba. Wa mom mo ñu fi pour en fait non la koy waxe pour meuna satisfaire wa kenyoto population Kédougou bi yeb tamit. Donc voilà, donc cette initiative est née d'une discussion que j'ai eue avec le président du groupe Kédougou production, voilà, qui m'a parlé d'organiser ensemble une activité sociale au bénéfice des couches les plus démunies de la société. Donc on a entretenu cette discussion et comme moi j'ai une section féminine très dynamique et engagée, j'ai échangé avec la section féminine pour leur confier l'activité de la marmite du cœur. Donc c'est la première édition que nous organisons et on a décidé de décentraliser parce qu'aujourd'hui c'est pour montrer que des activités peuvent se faire en milieu périphérique. Il ne faut pas seulement concentrer les activités au niveau de Kédougou. On a vu beaucoup d'actions sociales, d'œuvres sociales qui se font dans la commune de Kédougou. Maintenant, nous, on a décidé de sortir de la ville de Kédougou, venir aujourd'hui à Kenyoto, qui se trouve à 4 km de Kédougou, pour dérouler l'activité sociale ici. On avait un projet au départ ambitieux et englobant. Mais comme ici, bon, c'était un budget prévisionnel, on n'a pas eu à boucler notre budget. Donc c'est pour ça qu'on a un peu rétréci nos ambitions. On voulait donner à un large public, mais là, on a ciblé les Dara. On a ciblé 2 Dara à Kédougou et 1 Dara à Kenyoto ici. Et maintenant la prison également, parce qu'il y a des pensionnaires qui sont là-bas aujourd'hui qui ont toujours besoin d'assistance. Donc là, on a retourné la MAC et 3 Dara au niveau de Kédougou. Et plus un repas qu'on va offrir ici à un public. On va également distribuer à un large public au niveau du rond-point avec des sachets. Donc on va distribuer 60 kits de Dogou au niveau du rond-point, 60 pour les passants. Plus maintenant des plats qu'on va amener à la MAC et au niveau des Dara et un repas qu'on va offrir ici à Kenyoto ici. Parce qu'on s'est dit que donc là aujourd'hui on est dans un monde où les gens ont vraiment besoin d'être assistés sur tous les plans. Donc aujourd'hui cette activité là c'est juste une première. Donc on va faire d'autres activités sociales également, notamment au cours de cette hivernance qui s'approche. Voilà, une activité sociale en vue, voilà, que nous allons communiquer avec nos partenaires et nous allons en débat avec Kédougou 7.com qui ne cesse de nous accompagner dans toutes les activités que nous menons depuis le début. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait rencontré beaucoup de partenaires. Hein, on avait rencontré le conseil régional de la jeunesse, le Kédougou Production, Teranga Transport, groupe Metal Khadim Rasoul également. On avait rencontré ces gens-là qui nous ont accompagnés. Maintenant aujourd'hui, avec le CRJ, ils ont des campagnes de sensibilisation sur le paludisme. Donc on a également une production de films de leur côté tout à l'heure, à partir de 20h30. Donc c'est Olympique et le CRJ qui allons organiser l'activité de sensibilisation à partir de 20h30. C'est pour peut-être remercier les personnes qui nous ont accompagnés. Donc je veux commencer d'abord par Kédougou Production qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette activité. On a également le groupe Metal Khadim Rasoul qui nous a soutenu financièrement. Teranga Transport nous a soutenu financièrement. Il y a aussi le CRJ, le conseil régional de la jeunesse qui nous a appuyés. Il y a également les commerçants qui sont au niveau du marché central, les salles, Soboa, tous qui nous ont accompagnés. Mais il y a également l'autorité départementale qui nous a soutenus. Parce qu'on avait rencontré, on avait sollicité toutes les autorités, les collectivités locales. Mais c'est l'honorable député Moustapha Mamba Gras qui nous a appuyés. Donc les autres, peut-être, c'est pas par manque de volonté, mais peut-être c'est les moyens qui n'ont pas suivi. On remercie tout le monde également, c'est ça. L'action sociale également, l'action sociale qui a été au début et à la fin, l'action sociale, merci.